4 heures de colle pour avoir séché le lycée pendant 4 jours. Mais 4 jours inoubliables, dont les souvenirs me reviennent, pêle-mêle. Changer les idées, de m'intéresser à autre chose. Pourquoi pas aux journées du court-métrage? Mais comment m'y prendre? À qui m'adresser? D'un coup, le miracle. Qui passe pour timide, je parle à Betsy Blair et elle me répond. Oh oui. Vous voyez des films intéressants? Oh oui, on voit des films le matin, l'après-midi, le soir. Oh, moi j'aurais bien aimé assister au festival, mais je n'ai pas pu avoir de carte. Vous aimez vraiment le cinéma? Oh oui, vraiment, j'aime beaucoup. J'y vais très souvent, le dimanche. Oh mais, je n'ai pas de carte à vous donner, mais peut-être, si vous venez ce soir à l'entrée, je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait tellement gentil, madame. Ce n'est pas grand-chose. Je vous remercie, madame. De rien. Au revoir. L'aventure continue. Michel Bochet, journaliste, s'intéresse à moi et je m'attache à ses pas. Bochet rencontre Louise de Villemorin, qui est du jury. Je m'en veux beaucoup d'abuser de votre temps, mais j'aimerais vous poser tout de même une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous a engagé, malgré vos nombreuses obligations, à accepter de siéger au jury du Festival de Tours? Eh bien, vraiment, vous savez, c'est pas parce que je m'y connais en cinéma, mais c'est plutôt parce que je me déplace toujours par la province. Parce que j'aime les villes de province, tout ce qu'on me demande, pour Tours, naturellement, avant tout, parce que j'adore ce pays, mais aussi, je ne sais pas, pour Lyon ou Nancy, je me déplace. Je n'aime pas du tout l'attitude de Paris à l'égard des villes de province. Je trouve qu'on devrait tout leur donner, que dans tous les autres pays, les villes de province, regardez en Italie, Milan, Turin, Florence, Venise, ont toute leur intégrité, leur société, leurs spécialités, leurs arts.
et que la province en France devient un désert parce que Paris veut tout accaparer. Je suis contre Paris. Voilà pourquoi je suis venue à Tours. Bien, je vous remercie beaucoup, c'est madame. Par amitié pour Tours. Eh bien, merci beaucoup pour Tours. Et puis c'est vrai. Alors vous promenez un peu. Nous léchons les vitrines du syndicat d'initiative qui évoque la Joconde d'Henri Gruel, Cet art de Jan Popesco-Goppo, Dimanche à Pékin de Chris Marker. C'est la rétrospective des films primés les années précédentes. Revoici Betsy Blair, et puis Germaine Montero, et de nouveau Louise de Villemorin. Aux portes de la salle, Pierre Barbin et Pierre Verdier discutent ferme. Le préfet fait son entrée. Maître Galichon voisine avec Max Ernst. Producteurs, critiques, vedettes même, réalisateurs, viennent occuper le champ de bataille. Entraille. Agnès Varda. Un groupe d'anciens élèves de l'IDEC. Pas mal de visages de notre bonne ville. Musée, Alexandre Alexeïev, au milieu de l'exposition de ses œuvres, s'explique sur son fameux écran d'épingle. L'écran d'épingle est un support sur lequel on peut faire des images et les changer infiniment. C'est une sorte d'écran cinéma sur lequel les images se déroulent comme au cinéma. Les phases changent les unes après les autres, mais très lentement. Quoi change-t-elle ? Parce que manuellement, nous faisons varier l'image d'une phase à l'autre. Cet écran est constitué de 500 000 épingles. Les voici touchés très bien. Vous sentez comme ça pique. Il y a autant d'épingles ici qu'il y en a là. Seulement, elles se présentent de face comme des points, que ce soit ici ou là. Mais éclairé obliquement, chaque épingle jette une ombre portée, il y a 500 000 ombres portées, c'est ça qui fait le noir, vous voyez là. Et lorsque nous poussons ici les épingles de l'autre côté, elles sortent, elles projettent des ombres et font du noir ici. Regardez cet agrandissement, c'est une fraction, très petite fraction d'écran d'épingle, agrandie environ 500 fois. Alors voici une épingle claire, tout cela. Voilà, vous voyez l'ombre qui s'allonge, l'ombre portée retire l'épingle et elle se raccourcit. Veux-tu m'en pousser deux à la fois, tiens, voici une voisine. Ok, voilà, bon. Alors, pousse-les trois à la fois. Voilà, retire-les. Voici le principe de l'écran d'épingle. Voulez-vous voir maintenant comment nous en sommes servis pour illustrer le docteur Givago? Nous avons ici des images grandeur nature qui sont aussi grandes que cet écran-ci. Nous avons diminué pour le livre. Et par ça, vous procédez mécanique. Oui, oui, c'est pas un procédé photomécanique de reproduction. Il ne faut pas manquer la discussion prévue à l'hôtel de l'univers entre
Marcel Delannoy. Et que ça me procure le plaisir de voir des quantités de films, et que je crois justement que le court-métrage est Eugène une des Ionesco. Formules qui permettent le et Claude Mauriac. Recherche, et qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le court-métrage. Alors je me suis précipité. Et M. Ionesco disait tout à l'heure qu'il était parfaitement incompétent en matière de cinéma. Ah oui, 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 absolument incompétent. Et je sais moi aussi. Moi aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, enfin, parce que je ne les ai pas refusés. Ah bon, c'est par gentillesse alors? Non, non, parce que j'aime les films aussi. Ah bon? J'en vois une quantité gratuitement. Je suis de ceux qui, à tort, se méfiaient du court-métrage. Et après deux jours, je m'aperçois à quel point je me trompais. J'avais des courts-métrages d'expérience que l'on a lorsqu'on vient voir un film de fiction et qu'on voit en plus un court-métrage qu'on n'est pas venu voir, qu'on vous donne en plus, et qui est souvent très mauvais. Car les très bons courts-métrages sont généralement mis en tandem avec de très mauvais films, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Et moi qui ai une grande expérience des autres festivals, oui, je m'aperçois à quel point un festival de courts-métrages est plus enrichissant que les autres. Et après deux jours, je me sens vraiment enrichi, j'ai appris des tas de choses. Que la musique au cinéma n'est jamais employée comme elle devrait l'être, parce que personne ne sait l'employer. Il y a eu dans le temps des gens comme Maurice Jaubert, mon grand ami, Jean Grémillon, le réalisateur, qui était lui-même compositeur et en même temps réalisateur, qui savait vraiment employer la musique au cinéma. Vous n'avez pas vu Ivan le Terrible? Si, alors là, je suis tout à fait de votre avis, c'est l'exception dont je voulais parler. Quant au jazz, Ivan le Terrible parfaitement avec Prokofiev. Quant au jazz, je vous trouve assez sévère. Prenons le jazz classique, nous avons vu deux ou trois films récents où il est merveilleusement employé et en liaison directe avec l'histoire, dans les films de Louis Malle, dans les films de Vadim, dans les deux derniers. Et un autre film, alors une autre forme du jazz très différente, beaucoup plus élaborée, dans le film de Franju qui s'appelle La tête contre les murs, où du reste il y a aussi de la musique symphonique qui me paraît en liaison intime et très intelligente avec... Mais remarquez, je suis un profane. Oui, on m'a demandé de faire un texte pour un film. Oui, quel film? C'est un film d'un Polonais. Jan Jenica. C'est ça. Sale tête, c'est ta faute. On ne mourra pas. Tu entendras raison. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Nous mîmes du plomb dans la tête. Je devins un citoyen modèle. Un citoyen plein de sagesse et de vertu. Il y a des compensations. Les honneurs. De la révolte ne répand plus son venin dans mes veines. Enfin, une tête comme tout le monde. La tête de tout le monde. Alors, il y avait des images qui pouvaient prêter à plusieurs interprétations et j'ai choisi la plus simple, la plus enfantine. Et j'ai fait un texte et c'est un travail extrêmement passionnant. Je veux dire que toute ma vie, j'ai essayé de faire de la littérature et je n'ai jamais réussi. Que vous dites? Alors, j'ai fait du théâtre. Puisque j'ai déjà fait quelques longs métrages qui étaient des stricts documentaires, c'est-à-dire principalement des reportages d'exploration au Groenland ou dans l'Himalaya. Marcel Ishak, nouveau grand prix du cinéma français. Il se distingue justement des autres parce que il a été conçu et composé comme un. Ce que le public appelle un vrai film. Já jsem do Paříže na svoji výstavu, kterou dělám Louvre. Jiří Trenka. A když už jsem byl v Paříži, tak přirozeně se neodolal jet do Tours se podívat na krátké filmy francouzské. Moc se na ně těším. Je suis venu à Paris il y a deux jours pour organiser mon exposition Le petit monde de Jiří Trenka qui aura lieu au musée des arts décoratifs. Et je n'ai pas pu résister
de visiter les journées de cinéma français. Je suis venu pour voir ce qui se passe de nouveau dans le court-métrage du monde et pour saluer la cinématographie française. Et je vous souhaite grand succès et bonne chance. Réception à la préfecture. Allocution de Monsieur le Préfet et de Monsieur Jules Romain, président du jury. Et admire votre œuvre si étendue, si variée et si pénétrante. Nul mieux que vous, mon cher préfet. Vous avez remercié un peu trop les membres du jury pour qu'ils aient le plaisir de venir ici et qu'ils soient ensuite de façon si charmante qu'ils n'ont vraiment à se plaindre de rien ni rien désiré. Vous avez remercié le comité d'organisation, et là je tiens moi-même à appuyer votre remerciement et à le partager. En effet, j'ai l'impression que tout est extrêmement bien arrangé, tout a été. Dès que nous désirons quoi que ce soit, ça nous est accordé immédiatement. Les voitures paraissent sortir d'une trappe pour nous transporter d'un point à un autre. Enfin, tout le monde semble, comme on dit, s'être mis en quatre pour bien recevoir. Eh bien, je crois que c'est deux éléments distincts et qui se sont rejoints. Le premier, c'est l'esprit et la composition du jury. Au lieu d'avoir, comme en général, des spécialistes du cinéma, des metteurs en scène, des critiques, nous avons choisi au départ d'avoir un représentant de chacune des grandes disciplines esthétiques. Un grand peintre, un grand musicien, un grand écrivain, qui par conséquent juge les œuvres en question, non pas en les situant dans l'histoire du court-métrage ou du cinéma, non pas pour telle ou telle qualité ou prouesse technique, mais pour leur valeur humaine et esthétique générale. C'est cette éminence, n'est-ce pas, qui est la spécificité du jury de Tours. Mais ne pensez-vous pas que le choix d'un tel jury risque d'aller à l'encontre des goûts d'un public? Michel Bochet poursuit l'interview de Roger Lénard, président des Journées du cinéma. Et la première année, le film Couronné, qui était un film très spécial, un film d'histoire de l'art, a étonné le jury, le public, veux-je dire. Nous ne nous étions pas trompés, et Yves Bonnefoy, qui est son commentariste, est devenu depuis un grand poète français. Mais il s'est passé le phénomène extraordinaire, c'est qu'en 5 ans, le même public d'une ville, venant voir des courts-métrages, s'est peu à peu initié à leur technique, à leur contenu, à leur style. C'est aujourd'hui distingué mieux que certains amateurs parisiens, telle école polonaise, tel style, telle évolution de style de Canadiens, et que nous avons maintenant un public presque de techniciens, pourrais-je dire, qui comprend très bien les jugements souvent audacieux du jury, parfois même les devance. Nous ne pouvons aller jusqu'à forcer les portes de la salle du jury. Mais à travers la vitre, j'ai la chance d'entrevoir en pleine discussion Marguerite Duras, Ciné, Jean Dufy, Marcel Delannoy, Sainte-Olive, Betsy Blair, Jules Romain, Germaine Montero, Louise de Villemorin, Claude Mauriac, Roger Lénard. Quel jury pour mon Bachot. Que vont-ils décider? Le grand prix du film de court-métrage Tours 1959 a été décerné à Nous, ceux de Lambès. Le grand prix de Touraine a été décerné à Les Hommes du Oublié. Les réalisateurs français déjà nommés Jacques Villeneuve et Yannick Bellon par 7 voix contre 5.
Le jour où Manolette fut tuée. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais passer la parole à l'une des charmantes membres du jury du festival de Tours 1959, Bessie Blair, qui a tenu à vous présenter personnellement le Grand Prix du court-métrage Tour 1959. Je voulais vous parler, non, je ne voulais pas parce que j'ai le trac, mais je voulais quand même, parce que je comprends que si je voyais un film à Margot, à New York, avec une salle pleine de gens, et aussi un film un peu original, avant-garde, dans un sens, que ça peut être très difficile. Et là, je dois dire que je vous admire pour être un public qui vient voir les courts-métrages avec un tel enthousiasme, un tel... I'll sing you a song, it won't take long. All covers are ransom.